Bonsoir tout le monde. J'espère que ça bug pas le son. Bon, ça a l'air d'aller. Bon, bienvenue pour un petit live un petit peu spécial ce soir. Tout simplement pourquoi? Bah, vous le voyez, c'est un live Disney, mais pas n'importe lequel, c'est des jeux rétro. Voilà. Donc, comment vais-je dire? C'est les jeux rétro d'Aladdin, du Livre de la Jungle et du Roi Lion, que je me suis pris sur PS4, parce que vous savez bien que moi j'adore les jeux rétro. Donc voilà, alors, on va en explorer quelques-uns ce soir. Je dis pas qu'on va tous les faire ou qu'on va finir un jeu. Voilà, qu'on va finir un jeu et tout ça. Le premier live, ce sera vraiment une présentation. Voilà. Et puis par après, on fera les let's play de chacun des titres. Enfin, du moins peut-être version, allez, Mega Drive, NES ou je sais pas quoi. C'est faux. Normalement, c'est ça. C'est Mega Drive et NES. Alors, il y a aussi des versions Game Boy et Game Boy Color. Voilà. Donc ça, on les fera en let's play. C'est pour ça qu'ici, je passe les dialogues. Voilà, je passerai les dialogues du jeu. De toute manière, la plupart du temps, c'est en anglais. Donc voilà, pour ceux qui ne parlent pas anglais, ben, il y aura la traduction par après pendant le let's play. Mais ici, c'est vraiment pour passer son temps, pour s'amuser et pour que je vous fasse découvrir ben, toutes ces petites merveilles. Alors, vous avez Aladdin, vous avez le Roi Lion et vous avez le Livre de la Jungle. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de commencer par Aladdin. Alors, vous avez également des musées, tout ça, vous voyez, des vidéos du jeu, des visuels du jeu, des visuels du film, voilà, vous avez plusieurs trucs, c'est assez sympathique, ça c'est dans les petits bonus. Mais ça, je ferai plus tard. Voilà, alors vous avez plusieurs versions, vous avez la première version qui est ici, et ben, c'est par celle-là qu'on va commencer d'ailleurs. Ah, vous pouvez jouer avec ou sans bordure. Moi, je vais jouer sans bordure, tout simplement pourquoi? Parce que moi, je vais le mettre en écran étiré, plein écran. Voilà, comme ça, on voit encore mieux. Alors ça, je vous dis, je le passe, je le ferai pendant les let's play, comme ça, ce sera plus sympathique. Alors, juste checker les touches. L'option du jeu. Non, c'est pas ça, c'est contrôle. Alors, triangle, carré. Ça va, c'est bon. Allez, c'est parti! Ah, vous savez bien, moi j'adore tout ce qui est rétro comme ça. Je sais bien qu'il y a un moyen, normalement, c'est de passer là-dessus. J'aime bien le villageois qui rouspète comme ça. Alors vous avez les petits pots bien sûr à activer. Ça vous donne parfois ben voilà, du pain, de la bouffe, des pommes. Alors juste. Oups! Tac. Bon, là j'ai fait des conneries. Oh. Je me demande c'est quoi ces trucs. Ah ouais, regardez. On dirait qu'on peut aller là au-dessus. Faut que j'essaye une fois de voir si on peut y aller. Oh! C'est pratique ça. Dis-moi que c'est de la vie, c'est de la vie. J'aime pas les gardes du palais, ils sont chiants. Alors aujourd'hui je suis en mode pétage de câble, donc voilà, je vais essayer de pas m'énerver sur le jeu.
Franchement, j'aimerais vraiment bien voir s'il y a moyen d'aller là-haut. Les archers, hop. Les serpents, ils sont bien chiants. Ça, normalement, c'est pour un niveau bonus, mais je suis plus sûr. Dis-moi qu'il y a de la bouffe là-dedans. Nice. Oh, enfoiré avec ses flèches. Bon, c'est pas grave pour les petits diamants. On arrivera bien à en avoir suffisamment. Hé, hey, il peut tirer vers l'arc-en-ciel, enfoiré. À bout avec sa pomme. Eh, hey, c'est quoi ça? Ouais, c'est le truc du génie. Qu'est-ce qu'on va avoir? Un crédit. Ça fera également partie de la playlist jeux rétro, d'accord? J'aime bien la tête qu'ils ont. Oh là là, on a plus de vie. Oh, peut-être que je m'élance et que je saute. Ça a marché. Par contre là je vais faire gaffe parce que j'ai vraiment plus d'ignes. Nice. Oh. Le poulet qui tombe à pic. La claque qui s'est pris. Oh, on peut pas les buter, ça. Hein. Nice, une vie supplémentaire, ça part. Oh, le saut qu'on a fait. Ah, il y a des niveaux beaucoup plus chiants que ça. Ça va, il n'y a pas de bug de votre côté?
Et hop, du pain, c'est parfait. Par contre, je tiens à préciser que je sauvegarderai ma progression, parce que oui, vous pouvez sauvegarder, bien sûr. Je sauvegarderai ma progression de temps en temps. Hein. Brunk. Oh, comment je l'ai eu, c'était beau. Ah, oh, imbécile! J'ai pas sauté, crétin. Moi, je me demande c'est quoi l'espèce de bout de papier qu'on a avec nous. J'aime bien le fait qu'on peut leur balancer des pommes comme ça, c'est assez drôle. Eh merde. Ah, je vais pas vous le cacher, mais il y a des parties qui sont assez chaudes. Ah, c'est les jeux de l'époque aussi. Eh, on peut les toucher quand ils sont assommés. Merde! C'est le genre de partie chiante dont je vous parlais. Faut pas aller trop vite. J'ai pas l'impression qu'on puisse les tuer avec les pommes, mais juste les assommer. Ouh! Heureusement qu'on peut s'agripper! Par contre, je vais pas vous le cacher, mais les pommes, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Non, celle-là avant, c'était une gemme rouge, mais je crois que comme je l'ai chopée. Techniquement, elle est... Wow. Brunk. Ah, j'ai loupé une gemme. Bah, c'est pas grave, ça avance. J'aime bien Abou qui bouffe sa pomme à chaque fois. Eh, hey, comment ça se fait que j'ai 5 cœurs? J'en avais pas 4. Ah, des pommes. Tombe bien celle-là. Alors j'aime bien ces petits jeux, c'est... Alors lui, il y a une manière assez simple de le buter. Voilà, vous attendez qu'il ait baissé son sabre, là, vous lui balancez une pomme. Hop. Dès qu'il fait ça, voilà, vous lui balancez une pomme, vous retournez sur le tonneau. J'aime bien à bout au-dessus. Voilà, vous lui balancez une pomme. Hop là.
Easy. Alors peut-être enfin savoir ce que c'est que cette espèce de carte qu'on a chopée. Oh, il nous manquait 3 gemmes. Oh, ça c'est con. Ça fait quoi si on chope toutes les gemmes? Faudrait que j'arrive à voir ce que ça fait. Ouais, je vous passe les petits dialogues. Je vous passe les dialogues. Hein. De toute façon, je ferai un let's play du jeu. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est donc option jeu. On va sauvegarder la partie. Voilà. On va faire quitter. Et bien sûr, quitter et sauvegarder. Voilà, maintenant j'imagine que si on fait continuer, ben voilà, on pourra tout simplement revenir directement où on est. Parfait. Quitter, quitter, sauvegarder. Voilà, maintenant je vais vous montrer la version que je voulais tester depuis très longtemps. Alors vous voyez, jeu bonus. Regardez. Vous avez la version Game Boy et Game Boy Color. Alors ça, je vous les montrerai après. D'abord voilà, la version S. Donc c'est sûrement la version... Je pense que celle-là, c'est sur la NES, je pense. Je pense que c'est sur la NES, celle-là, mais il faudra que je vérifie. Là, je pense que c'est sur la NES, mais je suis pas sûr. Difficulté normale. Ah, c'est ça, finir Aladdin en entraînement. D'accord. En fait, il faut faire tout le jeu dans toutes ces difficultés-là. D'accord, je viens de piger. Voilà, un niveau bonus du génie, un niveau bonus d'Abou, de la vie supplémentaire. Alors, Health Meter, ça c'est votre compteur de vie. Donc, la lampe et la fumée. Alors, vous pouvez lancer des pommes. Alors, il faut dépenser les joyaux qu'on trouve. Alors, je vous dis, je vous passe les dialogues d'abord. Ah, j'adore cette version. C'est chaud, hein, mais je vous jure, j'adore cette version. Ah, vous pouvez péter les gens qui lancent des tonneaux. Oui, aïe. Oh, merde. Il y a énormément de dangers dans ce jeu, donc faites attention. Ici, on est presque mort. Alors, j'ai testé, la légende était vraie. Quand vous vous mettez devant les oreilles de Mickey, ça vous donne vraiment une vie supplémentaire. Donc, c'était pas une légende, c'était vrai. Ah! Faudra qu'on m'explique pourquoi les gens jettent leurs tonneaux comme ça. Oh, de la vie. Merveilleux. Allez, casse-toi, toi. Pas besoin de les affronter quand vous pouvez les esquiver. Sans compter qu'ici, vous en aurez beaucoup des pommes. Wow! Oh, je sais pas ce que tu dis. Il m'a mine de ses claques, lui! Je suis presque mort!
Alors lui, renvoyez-lui ses couteaux, en général ça marche. Enfin, je dis bien en général. Oh, il y a de l'extra life là. Il y a de l'extra life, les gars. Par contre, quand vous perdez toutes vos pommes, et ça, par contre, c'est chiant. C'est chiant parce que vous êtes obligé de... Ouh, yé, yé. Vous êtes obligé de refarmer les pommes, et ça... Ah, ils envoient des pots partout. Alors si vous entendez du bruit, c'est rien, c'est des voisins. Ah, faut se remettre sur la plateforme avec le crétin qui nous balance des couteaux. Magnifique, on l'a eu. Yep. 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 Oh, il est chiant celui-là. Checkpoint. De la vie. Ça bouffe tous les ennemis dans la zone, enfin dans le champ de vision du moins. Ouh, 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 je suis pas rassuré. Là, par contre, ça a gardé les contrôles que j'avais mis. Mais là, on n'arrive pas à passer au-dessus. Ah, il y a le niveau d'Abou. Visiblement, on peut pas aller là. Dépêche. Ouais, GG, je l'ai eu. Ah, marchons. Alors on peut lui acheter des vies. Nice. Vous pouvez également lui acheter des souhaits. J'imagine que c'est le truc de génie. Boink. Dégage. J'ai encore des pommes, t'inquiète pas. Et l'autre qui bouffe. Il y a un petit côté Prince of Persia, je trouve, c'est assez sympathique. Alors, ah, ici. On en a 6, hein. Si vous tombez sur Jafar, ça tombe automatiquement à 0. Magnifique. Ah merde, Jafar. Oh, niveau bonus d'Abou. Il faut sauter, taper les vases. Ah, t'es... Et un trophée si vous réussissez à la faire en entier, d'ailleurs. Alors, le désert. Voilà, je vous montre quelques niveaux. Quelques niveaux. Voilà, et puis ici, il faut trouver les scarabées. J'aime bien le lama qui crache. Regardez, vous voyez, c'est ici les oreilles de Mickey de la légende. Regardez, attendez. Parce qu'il y a des ennemis. Regardez, vous voyez, ça marche.
Ah. Mais... Ah, crétin de serpent. GG. Ça c'est drôle comme animation. Ok, ici y a rien. Alors, qu'est-ce qui se dit? Salut Jackie, comment vas-tu? Oui, il va me faire chier, mais tu vas voir. Ok, parfait. Non, Kéké, les palmiers. Bah, moi, je suis Furax, donc j'essaie de me détendre un peu. Ding 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 ding. Ce combat d'abrutis. Oh. Ah, on avait eu un truc comme ça, j'ai reconnu au son. Wow. J'ai pas vu qu'il y avait une lampe noire. Ouais, parce que les lampes noires, ça bute automatiquement les ennemis autour de vous. Ah, pas tous, hein, mais bon. Une certaine partie. Yago. C'est vrai que c'est quand même fun, hein. Qu'est-ce qu'on faisait pas à l'époque quand même? Bah ouais, mais l'autre il m'énerve, il m'attaque dans le dos. Oh. Hey, attends un peu. Y a pas moyen de récupérer les pommes qui sont là? Ah non. Ok, maintenant faut trouver le deuxième scarabée. Oh. Passons par là, ça devrait aller. Nice. Ok, le scarabée, il est là, on peut pas le choper maintenant. Lui, ils sont ceux-là, ils sont chiants, on va pas se mentir. Hey! Le nouveau des pommes. Eh, par contre, c'est connu, hein. Les pommes, ça pousse dans le désert. Et tout le monde le sait, voyons que les pommes, ça pousse dans le désert. Et c'est à ce moment-là qu'il y a vraiment une espèce de... une variété de pommes qui pousse dans le désert. J'aime bien l'urne et les drôles. Ah, des pipi-rooms. Merde. Aïe. Hey, on le bolosse. Allez, on le bolosse. On le matraque, on le mitraille. Dou, 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 dou. C'est quoi le bout de scarabée que j'ai chopé alors? Alors la bonne question. Allez, 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 allez.
Oui. Oh, Jafar, toujours Jafar. Agrabah rooftop. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais quitter. Ah oui, pour ceux qui arrivent seulement maintenant sur le live. À la base, l'écran est comme ça. D'accord? Alors oui, les bordures ici, c'est vous pouvez jouer avec ou sans bordure. Hein. Regardez, option écran, sans bordure. Voilà, à la base, c'est comme ça. D'accord? Donc moi, j'ai fait avec bordure. Alors, vous pouvez mettre un filtre arcade. Voilà, vous voyez, ça fait un peu plus vieillot. Vous pouvez mettre un filtre TV, comme si vous jouiez sur une vieille télé de l'époque. Donc ça, c'est de la panacée pour rétro gamer comme moi, ce genre de truc. Vous pouvez mettre un filtre LCD. Voilà, regardez les vieux écrans LCD, comme ça. C'est assez sympa. Alors, ce que vous pouvez mettre aussi, c'est sans filtre. Alors, vous pouvez mettre écran net. Voilà, vous pouvez mettre plein écran. Donc là, il y aura quand même des bordures. Ou alors, ben, comme je fais depuis tout à l'heure, en écran étiré. Comme ça, vous avez plein écran sans bordure. Et c'est assez joli, moi, je trouve. C'est assez sympathique. Voilà, donc, option écran. Non, c'est pas ça. Option jeu. Sauvegarder. Voilà. Alors, quitter, sauvegarder. Oui, parce que moi, vous en doutez bien que moi, je vais essayer de les finir de mon côté, voilà. Alors, vous avez la version définitive. Alors, ça, j'ai pas encore vraiment essayé. Ben, on va regarder ça maintenant. Alors, version finale suivante d'Aladdin comprend des correctifs, des réglages de la caméra et autres ajustements absents de la version d'origine, mais que l'équipe de développement aurait pu intégrer si elle avait eu le temps. Nous espérons que vous apprécierez cette réinterprétation du jeu classique. Évidemment, évidemment que je vais apprécier. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Oui, ça c'est à peu près pareil. Ah, faut que je change les contrôles. Alors, sauter, croix, épée, carré, lancer, rond. C'est parfait. Voilà. Ah, les pommes ont changé de forme, non? Je vais regarder, il y a quoi qui change. Pas l'impression qu'il y ait grand chose qui change pour le moment. Ah, j'ai raté mon coup. Heureusement que dans la magie des jeux vidéo, les planches en bois reviennent. Hey! Hey! T'étais pas là, toi, avant? Dégage. Merde. Ah, imbécile. Je me suis cramé. Bah, attends, ça veut dire qu'il y avait... Me dis pas qu'on pouvait déjà passer par là, parce que j'avais l'impression en fait qu'il y avait un truc doux. T'es sérieux? T'es sérieux? Mais bordel, Kiki, pourquoi t'es pas passé par là? Pourquoi il est pas passé par là, Kiki? C'est vraiment drôle, ce jeu.
J'ai vu qu'il n'y avait pas eu beaucoup de streams sur ce jeu, je sais pas pourquoi. Ah, quand je dis le jeu, ça veut dire les trois jeux en général, parce que vous avez donc trois jeux dessus. Ah, vous... Non, c'est pas totalement vrai, parce qu'en fait, vous avez trois jeux, mais en plusieurs versions, d'accord? Ça, normalement, je pense que c'est la version NES. Au pire, vous savez quoi? Pff, la tête que j'ai, on dirait... Vous savez, je vais regarder à ça. Je vais regarder à ça et je vais vous dire quoi. Attendez, juste 2 minutes. Alors, Aladdin SNES. Image. Ah, d'accord. Donc, normalement, en NES, donc en Super Nintendo, c'est la première version que je vous ai montrée. Ensuite, je pense que c'est ça, c'est Mega Drive. Et oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Le Aladdin que je suis en train de faire ici, c'est la version Mega Drive. Après, je vais vous montrer la version Game Boy, Game Boy Color. C'est pour ça, aujourd'hui, je vous fais juste une présentation des différentes versions. Voilà. Et après, ben moi de mon côté, ben, je l'ai fini. Dégage, dégage. Hey, veuillez tabasser l'idole, Prince Ali, oui, c'est bien lui, jetez-lui un pot de chambre. Il ramasse des pommes dans le quartier pour les lancer sur les gardes. Ça va, si on a des pommes, c'est pas compliqué. Oh, de la vie. Oh, c'est joli, ça, Kéké. Tic-tac. Vous avez une version démo aussi, vous allez voir qu'il y a quand même quelques petits trucs qui changent. Ouais, il y a quand même... Je l'ai eu, j'ai entendu le bouf, ça veut dire que je l'ai eu. Ça, par contre, j'arrive pas à la choper celle-là. Le niveau d'Abou. Boink! Yeah! Oh. Je crois quand même déceler quelques différences. Ça faudrait que je teste. Ok, on en a 13. Alors, ici, on peut lui acheter un Wish. Alors, me demandez pas ce que c'est, mais je pense que c'est le truc avec le génie. Supplémentaire. Une autre vie. Une pomme. Une autre pomme. Une autre vie. Magnifique. On la commence bien la partie. Allez, à bout. On va essayer à bout. Après, je vous montre la version démo, la version Game Boy. Vous allez voir, il y a des trucs qui changent. Hein. La version démo, il y a des trucs qui changent. Merde. Je dois rater combien de pots en fait? J'arrive pas à le faire ce truc, c'est chiant. Le désert. Y a pas les pommes ici. Donc ouais, vous voyez, il y a quand même quelques différences qui sont tout de même notables. Hein. Quitter, sauvegarder. Il y a vraiment des différences assez notables. Voilà, alors ici vous avez la version démo. Voilà, alors cette démo montre une version de travail d'Aladdin de Disney présentée lors du salon de Chicago de 1993, un an avant ma naissance, soit dit au passage.
Les visuels et le gameplay étaient alors toujours en cours de développement. Trouverez-vous les différences entre cette version et le jeu final? Bah allons-y. Déjà, vous remarquez qu'il y a un dialogue avec Jafar qui n'était pas vraiment comme ça. Alors ça, je vous ferai les let's play plus tard. Agrabah Market. Voilà, alors déjà, vous voyez que la musique, c'est pas la même. On va faire les contrôles. Alors sauter, croix, épée, carré, lancer, rond, parfait. Voilà, vous voyez, la vie, elle a l'air d'être un peu plus petite, on dirait. La tête d'Aladin, on dirait Flint Lockwood dans... Allez, tempête de boulettes géantes. Vous voyez qu'il y a quand même quelques trucs qui changent. Voilà, regardez, par exemple, lui... Regardez, vous voyez, il y a des trucs blancs. Ça veut dire que c'est des trucs en développement. Oh, mais on se fait bolosser de tout le monde, ici. Et quoi, on pouvait pas les taper avec des pommes, à l'époque. Là, vous voyez, c'est plus un chameau, c'est un type qui lance ses coutelaires. Non, c'est un des sauts bizarres, là. On peut les dégommer, cette fois. Non, je crois que ceux-là, on peut pas les dégommer. Ah, je vais pas vous le cacher, mais elle est difficile, cette version. Dégage, 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 dégage. Ah! Mais comment tu veux? Il me bloque le passage. Et mes pommes ne servent plus à rien. Ouais, c'est vrai, j'ai l'impression que dans la version démo, les pommes, elles servent vraiment plus à rien. Merde. Ah si, d'accord. En fait, si, les pommes elles servent. Mais étant donné que c'est une version démo, donc ils ont pas fait l'animation du personnage, regardez. On pourrait penser que ça fait rien, mais en fait si. C'est juste que le personnage adverse n'a pas d'animation propre. Après seulement ils ont mis les animations. D'accord. Là regardez, ici c'est des diamants alors qu'en dessous c'est des gemmes rondes. C'est assez sympa les différences à voir comme ça. C'est aussi ça qui est bien quand on est rétro gamer, c'est qu'on regarde les petites différences comme ça. Tu vas mourir? Non, c'est moi qui suis mort. Give up. Saleté de Jafar. Alors tous les trophées, ben, c'est ça, vous devez faire les versions démo, les versions ci, les versions là, voilà. Alors ici, je vais vous montrer la version Jap. Voilà, la version japonaise. Alors, le seul truc que je peux vous montrer, c'est par exemple... Oula. Alors regardez, les dialogues, normalement, voilà. Tout est en japonais. Regardez. Il y a tout qui est en japonais, voilà, donc ça c'est la petite version Jap. Donc celle-là, je vais pas revenir dessus, parce que c'est le même, voilà, c'est à peu près le même.
Je la ferai peut-être lors des let's play, comme ça ce sera complet. Mais moi je vais d'abord vous montrer la version Game Boy. Ah, vous voyez, il y a même des images qui changent. Ça oui, il y a des images qui changent. Mais en fait, voilà, c'est le même. C'est la même version. C'est juste que bon, les dialogues et tout ça sont en japonais. Regardez, vous voyez? Regardez, quand je lance une pomme sur un ennemi, vous voyez, ça fait une animation. Et c'est pour ça, dans la démo, en fait, il n'y avait pas d'animation. Voilà, il n'y avait pas d'animation. Et c'est pour ça qu'en fait, comment on va dire? Hop, dégage. Ah, j'ai réussi à me faire toucher par un ennemi qui était... J'adore la tête qu'on a. On dirait Hancock dans One Piece. Parce que je suis belle! Alors, prêt pour la version Game Boy, parce que là, ça va être marrant. Alors, console portable et console portable couleur. Regardez un guide du jeu et commencez où vous voulez. Je me demande c'est quoi ce truc, je vais regarder. D'accord. D'accord. En fait, ils ont mis un guide dans le jeu pour que vous puissiez sortir de mauvaises passes. C'est sympa, ça. C'est vraiment sympa, hein, quand même. C'est... J'aime bien la version Game Boy. J'aime vraiment beaucoup la version Game Boy. Ah ouais, il faut que je fasse les contrôles. Alors sauter, croix. Hop, 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 hop. Non, sauter, croix. Regardez vers le bas. Ça s'est remis? Oui. Lancer, épée, carré. Ah oui, c'est vrai que dans cette... Changer d'attaque, triangle. Ah, d'accord, j'avais pas vu. Je vais pas vous le cacher, mais j'adore cette petite version Game Boy, là. Je vais prendre l'épée, ce sera plus facile. Dire qu'à l'époque c'était saccadé comme ça, mais c'est tellement kiffant de revoir des versions comme ça. Ça, j'imagine, c'est un checkpoint. Forcément, il a fallu qu'il me touche. Moi j'aime beaucoup, franchement j'aime énormément. Et vous, vous en pensez quoi? On a réussi à l'avoir, c'était juste magnifique. Ah, vous en doutez bien, il y a beaucoup moins d'animation que sur les versions Mega Drive et tout ça. Ça, c'est vraiment en fait un retravail de la version finale en version Game Boy. Par contre, j'ai l'impression qu'Aladdin saute très haut dans cette version-là.
Ouais, ceux-là, on les chope avec une pomme parce qu'ils sont chiants. Ils font super mal ceux-là. Vous aurez qu'à me dire dans les commentaires c'est à quelle version vous aurez préféré. Enfin, moi personnellement, tout évidemment. Merde. Ma vie, elle commence à prendre cher. Dis-moi que c'est des checkpoints ces trucs, parce que ça c'est les trucs sur version Game Boy, on voit pas bien du tout. Elle est où ma vie d'ailleurs? Pas ma barre de vie, mais le nombre de vies que j'ai, en fait. Je suis mort. Là, je suis mort et enterré. T'as, par contre, on peut pas les louper, les gemmes. Deux vies. Ok, ouais, c'est ça, c'est des checkpoints. Oh bon, on a deux vies. Ah ouais, petite précision, j'ai pas eu le courage d'attendre jusqu'à un prochain live pour faire le Tigrex. D'accord? Donc j'ai fait le Tigrex sur Monster Hunter. Alors c'est une bête tueuse, très violente et rapide. Voilà, si je devais décrire le Tigrex, c'est comme ça que je le décrirais. Extrêmement violente et rapide. Oh les enfoirés. Ils ont mis des gens avec des peaux. T'es méchant toi, non? Non, c'est le marchand. D'accord. On a que 3 gemmes. Find more gems. Quoi, elle se fait où la sélection? Je crois qu'en fait, il faut mettre notre touche du bon côté. Oups. Oui! On passe carrément dessous. Ah, on est obligé de... Crrr, sérieux. Allez, on y va. Yeah. Yeah, on a réussi. Magnifique. Car on en a qu'un seul. On a une vie. Ah non, on en a un autre. C'est vrai que nous sommes dans le désert, non? Oui. Comment il est fait le désert? Waouh! Y'a un bug! Y'a un bug de sang! On va sauvegarder. Et si je le relance, ça dit quoi? Ah! Ah non, il n'y avait pas que bug de son, c'était juste l'autre con qui s'est fait avec son épée. Allez, maintenant je vais vous montrer la version Game Boy. Color, hein, color. Quitter, sauvegarder.
Merde, imbécile. T'es crétin, j'ai oublié de sauvegarder. Alors là, c'est pareil, sauf que forcément. Là, ce sera sur Game Boy Color. Malheureusement, on ne peut pas changer l'écran comme sur les Game Boy Advance SP. Voilà, donc c'est un petit peu plus tape à l'œil, on va dire. Les personnages sont bien. Enfin, ils ressortent bien du décor en fait. Le décor en blanc, bleu, etc. Faudra que je vois les autres maps, quelles couleurs elles ont. Ça pourrait être assez sympa à voir. Ah, moi j'adore. Ça fait beaucoup de dégâts ce truc. Ouais, ça fait beaucoup de dégâts! Mais oui, regardez, ça me bouffe ma vie, regardez bien. Mais regardez comment ça me bouffe ma vie! Aïe! Il y a un problème. Pouh, comment je l'ai eu? Pouh, une pomme en pleine gueule. Alors, faites attention, les amis, dans les jeux vidéo, les pommes font très mal. Extrêmement mal. Ouais, quitter sans sauvegarder, j'ai fait que dalle ici. Ok, bah ça, vous voyez, c'est toutes les versions que vous avez disponibles dans Aladdin. Voilà, vous avez aussi donc le Roi Lion. Alors lui, il y a la version console portable couleur et forcément la NES. Bah, il y a la version japonaise, la NES et bah, normalement c'est la Mega Drive aussi. Ça normalement c'est la NES et ça c'est la. Ou alors c'est sur Sega peut-être? Si. Bah oui. Bah oui. S, console S, la Sega Mega Drive. Faut que je vérifie. Voilà, on va faire la NES pour commencer. Ça commence l'autre. Alors la Terre des Lions. Alors c'est rigolo parce que vous voyez la petite jauge en haut à gauche qui se charge. C'est votre cri! Et oui, Simba fait miaou. Il fait miaou, regardez. Ça vous permet de stun les ennemis. Boink. Boink. Oh, j'imagine bien sûr que je vais peut-être me prendre des copyrights pour la vidéo. Ça, je m'en doute. Hey, miaou! Ah oui, ça explose, c'est crasse. J'ai complètement zappé que ça explosait, ces merdes. Boink. Ah, elle m'a toujours donné des frissons cette musique. Ah, c'est franchement des petits jeux sympathiques. Moi j'aime beaucoup. Mais d'où un miaou? Ça tue les ennemis. Jackie, tu vois ton chat qui t'a pété ta HDMI. Fais gaffe frérot, parce que c'est dangereux, quand ça miaule, ça fait mal, hein. T'as vu, ça tue des bestioles. Boink. Aïe. Ah. Eh, faut pas déconner, hein, le miaou, oh là là.
Le miaulement d'un lion, ça fait mal. Hein. C'est... Quand ils font miaou, ça fait mal. Non, oui, je sais, on dirait qu'il dit couille, mais non, il dit cool. Boink. Eh, ça a augmenté ma jauge de rugissement. Le bleu, il a augmenté ma jauge de rugissement. Maintenant, je peux peut-être miauler plus fort. Oh, merde. Fait défoncer par une hyène. Bah, je suis défoncé par une hyène. Dis-moi que je recommence pas du début. Non. Oui. Par contre, vous perdez votre pouvoir de rugir. Vous perdez votre pouvoir de rugir quand vous faites toucher. Pas enfin, de miauler, quoi. Ah, mais comment j'avais fait la fois passée? Comment j'avais fait la fois passée? Miaou! Simba est pas crédible. D'accord, faut attendre qu'il soit fatigué. On l'a eu! Everything the light touches is our kingdom. Yeah, on l'a eu! On a eu la grosse hyène qui pue. Oh, j'ai chopé les insectes. Ah, merde! J'ai chopé les bestioles, j'avais pas vu. Alors celui-là, j'ai pas fini le niveau. Hein. Il faut mettre les singes dans un bon ordre en plus, j'ai remarqué. Et c'est surtout parce que le crétin de Kéké, il arrêtait pas de tomber sur les girafes. Et hop. Oui, on a réussi. Oh, d'accord, je vais passer d'île en île. J'ai vraiment passé d'île en île. Ok, lui il me l'envoie là. On va changer en bougeant celui-là. Miaou! Allez, comment on fait là? On va peut-être essayer de changer le sens. Oui, le sens du singe rose, crétin. Voilà. Faut pas se prendre l'arbre, c'est ça? Non, faut sauter. D'accord. J'ai pas vu, il y avait un petit. Il y avait un petit éléphant rouge, un petit rhino, je sais pas, et on se déprime. The king has returned. La tête de Rafiki, il a bu quoi, Rafiki? Roar at monkey. Rugissez sur les singes. Et je regrette, mais je fais juste miaou. Je miaoule. Je ne rugis pas sur les singes, je miaoule. Je miaule sur les singes. Je ne fais que miauler sur ces pauvres petites bêtes là. Oui!
Là, regardez, regardez. Voilà, j'ai mis pause. Voilà, c'est ça qui m'a touché, le petit truc rose là que vous voyez. C'est pas un éléphant, c'est un rhinocéros d'ailleurs. D'accord, un nid d'oiseau, un truc rose. Quoi? Comment il faut faire là? Comment il faut faire? Comment il faut faire? Rhinocéros, dis-le-moi, comment je dois faire? Lui, il s'en bat les steaks, tout ce qu'il a, c'est bouffé. Yip. Merde. Quel con. Bon, allez, je vais vous montrer les autres versions. Non, je quitte sans sauvegarder. Je ferai ça quand j'aurai des meilleures vies. Voilà, alors, qu'est-ce qui va changer de la version? Ben, on va le voir. Déjà la musique. Nanana. Alors, qu'est-ce qui change? Je miaule toujours? Ah, comment on saute? Les contrôles sont différents. Lacérer. Lacérer? Quoi? Attendez. Attaquer, retourner, sauter. Lacérer, rond, rugir, cracher, attaquer, retourner. Triangle. Retourner. Ah, des trucs qui changent, regardez, il fait plus cool. Maintenant, au lieu de faire miaou, il fait. Au lieu de faire miaou, il fait. Oh. Il s'en fout, il s'en fout. C'est pas assez puissant. Maintenant, oui. Oh, quelle sale bête. Mais qu'est des sales bêtes! Tiens. Boink. Ça me rappelle mon jeu PS1 du Roi Lion, tiens. Fallait aussi sauter sur des bestioles comme ça et leur faire miaou! Dorénavant, quand votre chat vous miaule à la gueule, faites gaffe, c'est une déclaration de guerre. Ah si, il dit cool, mais seulement quand on chope une vie. C'est seulement quand on chope une vie qu'il dit cool, tiens. Oh, comment je me suis agrippé. Et sur certains insectes. Ah! Saloperie! Laisse-moi deviner. Je me fais toucher, je meurs, c'est ça? Ah non, tiens. J'avais raison, ça a augmenté la taille de ma jauge. J'avais raison. C'est exactement pareil que dans l'autre version. Ok, donc ça, techniquement, ce serait de la vie. J'aime bien le rocher du lion en arrière-plan, comme ça. Aïe! Boink. Boink. Génial! C'était très beau quand même pour l'époque. Il y en a qui sont plus rapides, il y en a qui sont plus. Oh putain, il pouvait dropper une vie.
Je suis sûr c'est les vies ou des crédits, ça. Bon, ça c'est pareil. Hein. En fait, les niveaux sont pareils, hein. C'est juste qu'ils vont changer la version. Il y a peut-être des trucs qui vont varier. Forcément, vous, vous devez finir chacune des versions pour avoir les trophées. Et je serai le prochain roi de la Terre des Lions, mais avant, je dois me balancer sur la queue du rhinocéros. Ah, je parais qu'ils ont changé l'emplacement des singes. Pas de dégâts de chute, on sait jamais. Et on est quand même un lion, mais ça fait mal un dégât de chute. Et on est d'accord que les singes, ils arrivent à soulever un lion. D'accord, j'ai compris. Ah, fuck. J'ai compris, et en fait il y a une certaine manière de sauter qui est assez complexe. Bon, ça faudra que je regarde comment on passe. Alors la version japonaise, qu'est-ce qui va changer? J'imagine que ça c'est, bah, comme on le dit bien sûr, les voix en japonais. Ah, par contre, ils ont pas fait. Oh, regardez! Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change? Ah, là, il remioule! Il remioule! Je suis sûr, les Japonais ils aiment bien les chats. C'est pour ça qu'ils aiment bien le miaulement de Simba. Ouais, ça c'est à peu près pareil que la version de base. Regardez, cet insecte là, il était pas là la fois passée. Oula. Oh, je suis vraiment épuisé, c'est déconné. Ouais, c'est ça, c'est un... Ouf, c'est la même version. Ouais, bah, je vais pouvoir vous montrer la version Game Boy alors, c'est pour voir ce qui change. Ah oui, d'ailleurs, attendez, j'ai pas regardé là. Ça fait quoi avec les bordures? D'accord, ouais, c'est stylé. C'est vrai que j'ai pas regardé les bordures. Vous savez quoi? On va le laisser comme ça pour le moment. Juste pour voir si en fait les bordures vont être différentes en fonction des jeux. Je vais serrer trop fort mon gilet. Oh, c'est une horreur. Aïe. Étrangement, ça me dit quelque chose cette version. C'est quoi? Oh! On fait un bruit de Pokémon! Putain, on fait un bruit de. On fait un bruit de Voltorb, wesh. Et là on peut faire un bruit de Voltorb à l'infini. Merde. D'accord, ça c'est notre vie, le truc en haut. Alors, je tiens à préciser, les trois quarts des trophées, c'est Aladdin. D'accord, les autres, c'est... Bah, allez, saute. Donc, les trois quarts des trophées, c'est Aladdin. Les autres, c'est plus... Bah, peut-être Roi Lion, le livre de la jungle, mais il y a pas vraiment... Je peux avoir de la vie, s'il vous plaît. Je me sens un peu à poil sans vie.
Et pourquoi ce jeu me dit quelque chose? Comme si j'avais déjà joué auparavant. Non, sérieux, pourquoi ce jeu me dit quelque chose? J'ai l'impression d'y avoir déjà joué. Merde. J'ai l'impression vraiment d'y avoir déjà joué. Pourquoi je me sens tout nostalgique tout d'un coup? On peut pas escalader? Ah mais si on peut. La version Game Boy, il y a des petits contrôles qui passent moyen. Là. Raté, Kéké. Raté, Kéké. Ouais, je veux juste la bestiole là. Yeah, je l'ai eu. Ah, Kéké. Pourquoi je tombe comme ça? Il y a mon lion qui est coincé. Il y a mon Simba qui est coincé. J'ai pas vu celui-là. Je fais vraiment des bruits de Pokémon. Comment j'ai fait pour me faire toucher? C'est quoi ce que je viens de choper par contre? Il n'y a pas grand chose par contre à l'écran ici sur la version Game Boy, juste la barre de vie, le compteur de vie. Tac. Alors oui, pour ceux qui voudraient jouer avec moi sur des jeux, je me suis repris un petit PS Plus. Voilà, comme ça, celui que Jackie m'avait offert, je pense qu'il arrivait petit à petit à son terme. Je pense que j'avais encore peut-être quoi un petit mois, je sais pas. Donc du coup, je vais vous montrer la version Game Boy Color. Du coup, voilà, je me suis repris un petit PS Plus pour... Oh, bordel! Pour franchir la frontière du savoir. Tenir l'héritage qui a du fond des âges dans l'harmonie, tout le faire d'amour. Ah, c'est quand même mieux la version Game Boy Color parce que là on voit bien les ennemis. On voit bien les ennemis, on voit bien les obstacles. Ça saute un peu mieux, on dirait, non? Oups. J'ai vraiment l'impression d'avoir déjà joué à ce jeu. Je sais, vous allez peut-être dire c'est débile parce que au fond de moi, ils ont mis la bestiole qui explose. Au fond de moi, je sais que j'ai peut-être jamais joué, mais je sais pas, ça me dit quelque chose. Alors oui, bien sûr, je connais certains niveaux du jeu Le Roi Lion. Mais bon, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi.
J'ai vraiment l'impression d'avoir déjà joué à ce jeu. C'est bizarre. Il y a des bestioles partout, que ce soit les ennemis ou les trucs de vie. Alors, petite précision en fait. Ça vous dit des lives Resident Evil? Le retour des lives Resident Evil? Simba, il veut bien, regarde. Ah oui, donc j'ai retesté la map Nightmare in Candyland et je ne sais pas pourquoi. Mais la première fois que j'ai joué, tout s'est bien passé, mais ici elle bug. Donc j'ai montré aux devs, donc ils m'ont répondu. Voilà, donc il faudra que je regarde s'ils ont réparé ça. Tant c'est bizarre, ça marchait bien, c'est. Voilà. Je referai une map de mon côté, voir si c'est réparé. Je la ferai une ou deux fois comme ça. On pouvait faire des roulades! On pouvait faire des roulades! Allez, Kéké! Yep. Est-ce que ça blesse les ennemis? Faut que je teste ça sur une bestiole, est-ce que ça blesse les ennemis? Faut que je teste un ennemi s'il vous plaît. Oui, ça blesse les ennemis. Sympa, je viens de découvrir une nouvelle attaque. Je viens de découvrir qu'en fait, il n'y a pas que les attaques de base. You. Et je me prends le rocher à chaque fois, sans déconner. Aïe. Aïe. Fuck you. Fuck you. Ici, on se prend les arbres. Dans l'autre version, on pouvait grimper dessus. Ah non, hein! Sauf que là, j'y arrive. Non. Je galère sur le saut, là. Parce qu'à chaque fois, je me prends le bout du rocher. Sans déconner. You! Voilà. Pourquoi les arbres sont solides? Ah, parce que dans celui-là, on peut y grimper dessus comme ça. Voilà, comme ça, on récupère un petit peu de vie s'il nous en manquait. Oh non. Oh non, ça va être infâme, les sauts comme ça. Non, Kéké, tombe pas. Ah, je me suis pris la branche. Je me prends toutes les branches et tous les rochers dans la tronche.
Ah, c'est exactement pareil que l'autre. Oups! Quand il nous saute dessus, quand il nous saute dessus! Ah, on est mort. Il manque qu'il y a bien des checkpoints, mais oui, évidemment. Ah, par contre, les sauts, c'est juste infâme. Ça, je vais pas vous mentir. Les sauts, ils sont infâmes. Oui, facile. Simon et Pumba, Bud Patrol. The fuck. Ah, ça a l'air un peu plus sympa sur... ça a l'air un peu plus facile sur la version Game Boy, ce truc. Oh, j'en ai loupé. 11, pas mal. Dis-moi qu'on a gagné une vie. The Main Event. Merde. Elle est sympa la musique pixelisée. Oui, la forme qu'on prend pour se balancer. Ouais, d'accord. Merde. Ah, ça va être infâme, ça, avec les sauts un peu chiants. Hein. Ça va être infâme avec les sauts. Je l'avais dit, ça va être infâme. Ça va juste être infâme avec les sauts. Au secours. Non, en fait, parfois il faut sauter et diriger. Ah, oh, ça va être infâme les sauts. Quelle longue vie, oh. Un enfoiré. Oh, bordel. Il va falloir que je m'entraîne avec les sauts parce que c'est juste infâme. La version Game Boy, les sauts, ils sont infâmes. Alors pour le livre de la jungle, vous avez également une version Game Boy. Voilà, vous n'avez qu'une seule version Game Boy. Donc ça, c'est, je vous propose, c'est qu'on la teste tout de suite. C'est un truc de fou. Je voudrais devenir un homme, ce serait merveilleux. Ah! Ah! On peut aller dans le coup. What the fuck? C'est quoi ce saut que je viens de te faire? Boink! Boink! Et Mowgli a des ressorts. Boink! Ding 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 ding. Boink. Boink. Non mais sérieux, les sauts que je te fais, c'est abusé. Boink. Boink. Eh, on peut courir. Boink. J'adore. Les sauts, ils sont juste insane, en fait. Yeah! On va essayer d'attraper ça. Ah, les sauts que je te fais, c'est juste insane, quoi. Boink! Oui! Les singes tirent des boules de feu.
Ouah! Dégage. Putain, j'ai plus de vie, ouais. Ah! Et ça, c'est quoi? Moi, j'ai récupéré ça. J'avais plus de vie, j'ai récupéré de la vie. Boink! Ah, je vous jure, c'est insane, les sauts, c'est trop drôle. J'ai trouvé une pelle. Ouah! Non! Et des petits bruits à la Mario, c'est rigolo. Non, non, non! Boink! Ah, avec de la bouffe! C'est comme ça que j'ai récupéré mon... D'accord, ça c'est des checkpoints. Lancez les bananes! Attendez, attendez. Oui! Ah! Oupidez! Oui! Je crois qu'il faut passer par au-dessus. Boink! Eh mais ça rebondit cette merde! Ah! C'est des noix de coco, je parie! On peut les tuer les essaims d'abeilles là, parce qu'ils sont chiants. Oui, on peut les tuer. Pff, je vous jure, les sauts, c'est juste insane quoi! Ah oh, putain, presque. Oh, comment je vais sauter dessus. Boink. Il y a quelque chose sur les arbres, tiens. Boink. Oh, il y a du temps supplémentaire. Du temps supplémentaire. Non, oui, j'ai pas vu le timer. J'avais pas vu le timer. Mais fuck. Au secours. J'ai vraiment pas vu le timer, fieu. Oui. On va essayer de buter les abeilles. Elles sont chiantes, les abeilles. Oui, ouvrez vos chakras et vous verrez que ce sont des abeilles. Tiens, boink, bouffe ça, toi. Ah, ça m'a rajouté une minute, presque. Boink. Oui. Non. Oh putain. Oh, j'ai cru que j'allais pas la choper celle-là. Ah. Il m'a droppé un masque. Ouais. Quoi? Et comment on passe là? Me dis pas qu'il faut se balancer. Me dis pas qu'on peut se balancer. Attends, on peut se balancer, Olien. Mais là. Ah. Dégage l'abeille. Attends un coup, je vais voir un truc si on sait se balancer aux lianes. Mais oui, Kéké. Mais oui, Kéké, qu'on peut se balancer aux lianes, imbécile heureux. Tiens, tiens, ça fait mal, hein. Ça fait mal, sale bête. Boink. Oui. On peut vraiment pas. On est vraiment obligé de passer au-dessus. Ouais. Allez, on va voir la version normale. C'est fun en tout cas. Moi j'aime bien, c'est marrant. Voilà, ici vous avez deux versions. Oh, nouvelle. Il y a quoi qui changera avec les anciennes, avec les autres versions? La fée clochette fait des bruits d'éléphant.
Oh, une petite musique à la Cuphead. Avec Mowgli, il y a Mowgli. Alors ça, je vous le passe, je vous ferai ça pendant les petits let's play que je ferai. Le début, magnifique. Alors les bananes sont illimitées. Hein. C'est très joli d'ailleurs cette version. Moi j'aime beaucoup cette version, elle est superbe. Ouais, il faut s'amuser à choper les gemmes et tout ça. C'est... Alors moi il y a un truc qui m'a toujours fait marrer, c'est quand... Comment on va dire ? Quand vous vous cassez la gueule de trop haut, eh ben Mowgli se sert de son pine comme d'un trampoline. C'est juste drôle. C'est con, mais c'est drôle en fait. Mais tu. Saleté du stiti de. Il me crache dessus, ces trucs. J'ai plus dit, je me prends une abeille, je meurs. Hein. La bête petite abeille, je meurs. Hein. Oh, il y avait un cœur. Merveilleux. Ah putain, ça pique. Eh hey, d'où il y a des singes avec des civières. Oh attendez, je l'ai pas vu celui-là. Bien caché. Ah oh, le bonheur des trucs bien cachés de l'époque. On me demandait pas où il trouve toutes ces bananes. Sans deck. Alors l'éléphant, si je me souviens bien, il sert de checkpoint. Ah, vous pouvez clairement sauter sur les ennemis, c'est ça qui est bien. Voilà, attention au cactus. Tac. Tac, 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 tac. Il y a un diamant là. Je pense pas qu'on puisse s'agripper, hein, mais. Il y a des serpents dans les trampolines. Boing! Ah! J'avais plus de vie! J'avais plus de vie! Eh, elle était pas comme ça la lionne tout à l'heure, si? Quelle sale bête quand même! Hein. Vous voyez avec son pine, c'est trop drôle. Il sert de son futal comme d'un trampoline. D'un parachute. Oh, attendez, c'est quoi ce qu'il y a là-bas? C'est des joyeux? Oui. Ah oh. Attends, on n'a pas été ici. J'ai plus de vie. Ils sont chauds les jeux de l'époque. Oh comment je me suis repris sur le... Oh mon dieu. Bravo mon kéké. Oh. Non mais sans déconner que... Alors là, la version nouvelle, ce que ça donne. Thank you.
Ça m'intrigue quand même. Oh putain. Oh, c'est joli. On passe les dialogues. Ah, c'est bien fait. Ah ouais. Bear Necessities. Oh! Alors, en practice, en normal et en difficulté. D'accord. Donc, en fait, en entraînement, vous devez collecter 8 gemmes rouges pour compléter le niveau, 15 pour le bonus, le niveau bonus. Et en normal, c'est 10 et 15, et en difficile, 12 et 15. Ah, sympa. On va voir ce que ça donne. Jungle by Day. Ah, ça s'appelle plus The Beginning. Ah, oh, mais non, il y a des petites cinématiques. Ça, je vous dis, je vous les montrerai quand je ferai le petit let's play. Waouh! Ah oui! Ah oui, ça change! Attendez, je vais regarder les contrôles. Sélection d'armes. Armes à feu. Attends. D'où une sélection d'armes? Oh, on a une boussole! Ah! On a une boussole maintenant. D'accord, j'ai pigé! Que j'ai pigé, vous voyez la version Game Boy qu'on a faite. En fait, techniquement, ça ce serait une version refaite en fait de la version Game Boy. Faut vraiment peu, très peu pour être heureux. Bah oui, la preuve, moi un bête jeu rétro, moi je suis tout content. Moi je suis comme ça, hein. Je suis un rétro gamer dans l'âme. Et du bon côté, riez, sauter, lancer des bananes. Non, je rigole. Sous les frondaisons. Et le gaming, c'est toute une passion. Des vidéos, des lives, j'en peux plus. Je sais que vous en avez plein le cul. Mais moi, je continue parce que j'adore ça. Et moi, je vous mets du contenu. Puis voilà, c'est ma chaîne. Et puis c'est tout. Oui, c'est de l'impro. Eh, abonnez-vous, ça rendra Kéké heureux. C'est quoi, c'est... Pourquoi il y a des boomerangs? Ah, elle est bien ma barre de vie, regardez, c'est mon visage qui commence à se décolorer, j'avais jamais fait gaffe. Oui! Attends. Oh! D'accord! Voilà pourquoi sélection d'armes. Ouais, hop, hop! On a des boomerangs et des doubles bananes. Oh! On a... Non, regardez, on a une sarbacane. C'est quoi le totem là? Oh, on a une invincibilité temporaire. Oh, c'est bien ça. C'est quoi qui nous redonne de la vie par contre? Aouh! Comment ça? Aouh! Qu'est-ce qui nous a fait mal? Merde, imbécile! D'accord, donc c'est une version vraiment plus retravaillée du jeu. C'est bien! C'est bien fait, c'est agréable à jouer, sans déconner. C'est vraiment agréable! En plus, il y a plusieurs armes.
C'est pour ça en fait qu'on avait plusieurs trucs. C'est génial. Ah merde. D'accord, mais on n'est pas obligé de choper toutes les gemmes pour finir alors. D'accord, donc j'ai vu, ce qui nous redonne de la vie, c'est des cœurs. Ah, c'est stylé, franchement, j'aime bien, c'est stylé. Yeah! Fine Bagheera. Ok, donc on a fini. Et une grenouille. Wow. Ah, il y a du temps supplémentaire aussi ici. Il en faut vraiment peu. Très peu pour crever. Pour crever. Les cactus et les gros serpents nous donnent un bon coup dedans. Et nous piquent le cul à volonté. Les singes et les sangliers veulent juste nous bien nous massacrer. Il en faut vraiment peu pour crever. Mowgli s'est bien fait bolosser, pourtant il danse comme un taré, mais c'est pas ça qui nous arrête de jouer. je m'en lasse pas. C'est quoi que j'ai chopé? Je rêve, il vient de se mettre une baffe. Oui. Hé. Hey. Biche. Hé. Hey. Hey. Il va le faire. Il va le faire. Il va le faire, la baffe. Fous-toi une baffe. Mais tu regardes une montre, t'as pas de montre. Fais la baffe. Fous-toi une baffe. Ouch. J'adore. Ah, les niveaux, ils sont super beaux en vrai. Ah, moi j'aime beaucoup, c'est trop bien fait. Oh, on peut grimper. Oh, on peut changer d'une zone à l'autre. Merde, non, Kéké, reprends tes bananes de bête. Dou, 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 dou. Par contre, j'aurais juste aimé un tout petit peu plus de, vie, de trucs pour la vie. Ça, ça aurait dû juste parfait, en fait. Tain, ici, ça fait quoi? Oh, on peut monter plus haut. Ouh, pinaise des scorpions. Là. J'aime bien le coup du pain, c'est drôle. C'est con, hein, mais c'est marrant. Je vous jure, c'est débile, hein, mais c'est tellement drôle. Oh merde. Eh. J'adore comment il se met une baffe. Putain, arrête de te foutre des baffes, sérieux. Vous avez pas remarqué un truc bizarre? Il y a des singes qui nous agressent et il y en a qui nous soignent. What the fuck? Ah, j'ai trouvé la boussole. Eh, ça nous montrerait pas les gemmes. Je pense que si, ça nous montrerait les gemmes. Vous savez quoi, on va suivre, on va aller vers le bas. Regardez, on va aller vers le bas. Je suis sûr qu'on va trouver une gemme.
Quoi, on peut pas le tuer ce machin? Ah, au pire tu me diras, ouais, on peut aller au-dessus aussi. Faut juste que je trouve comment monter en fait. Ah, bah attends, on peut aller ici. Ben voilà. On a réponse à notre question. Youhou! Oh, il me faut mes bananes de base. Oui, purée. Non, 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 Kéké. Merde! Je suis retombé tout en bas. Non, dommage. Allez, je suis retombé tout en bas, ça fait chier. Youp! Youp! Non, j'allais dire, on peut redescendre comme ça, mais non. Non, Mougli! 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 On va l'appeler Mougli! 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 Bah, en fait, je passais par là, je pourrais remonter direct. Youp! Mais, fais chier! Hein. C'est juste pour des fruits en plus. Mowgli, à la fin du niveau, il va choper une de ses chiasses. Il va te choper une de ses chiasses, le gamin, sans déconner. Et j'ai même pas ce qu'il faut. Encore 3 minutes, hein, c'est stressant quand il y a un timer comme ça. Fine core. Ouais, j'ai plutôt, c'est surtout éviter les scorpions et tout ce qui essaye de me tuer. Ah merde, il y a des abeilles. Putain, il y a des essaims d'abeilles. Carrément des essaims, quoi. Et quoi, quand ils mettent 0 sur 2, c'est quoi? C'est le nombre qui nous reste à trouver, en fait. Ah d'accord, faut toucher sa tête. Faut toucher sa tête. Ding 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 ding. Tiens, double dégâts. Dégage. Oh, ça fait mal en vrai. Non. Je me suis pris le serpent dans la tronche. On va lui mettre un coup de sarbacane dans la tronche. Il va rien comprendre à sa vie. Tout. Ah, c'est chiant ce truc. Douf. C'est cool qu'il y a des boss dans ce jeu, t'as déconné. Ouais, t'es fier parce que t'arrives à me faire mal, hein. Hein, essayez. Oh putain, je l'ai touché juste avant qu'il rentre. Oh, il fait mal ce truc. Tiens, bouffe ça vite, tue-le. Oh, je l'ai eu. Oh putain, je l'ai eu. Mystery. Quoi, j'ai trouvé 4 mystères. Mes fruits, mon temps, mes gemmes. The fuck. Ah mais franchement c'est bien sympathique tout ça. Ah moi je veux bien m'amuser là-dessus, hein. Je vais farmer mes petits trophées. Trouver 10 gemmes. Oh les éléphants. On peut sauter dessus? Ouais ouais. Eh ça va Jean-Pierre? Oh que tu as de grandes oreilles. Ah désolé j'ai bouffé trop de fruits.
Non mais sans déconner, l'indigestion de banane qu'on doit se faire au bout d'un moment. Allez, faut quand même que je vérifie un truc. Faut que j'arrive à trouver une autre gemme. Vous êtes juste tellement nombreux. Ta gueule, le perroquet. D'accord, faut. Oula. Oh, 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 je me suis rattrapé. Tout juste. Alors là, je dis bravo. Me demandez pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à me rattraper. Merde. Oh mais quand je vous dis que je suis un chatteux, mais vraiment. Bon, pas toujours. Hein. Hey, y a des trous dans la jungle, les amis. Il y a des trous dans la jungle. Oui, d'ailleurs, c'est vrai que celui-là, je l'ai pas mis en plein écran. Voilà, ça donne ça en plein écran. C'est très joli en plein écran. Oh, bouclier. Cool, en plus j'ai trouvé le machin. Clic, clic, dégage. J'adore franchement la tête des éléphants. Putain, il y a du moustique. C'est des abeilles, c'est des moustiques, j'en sais rien, mais c'est dangereux. Ah, il y a un bouclier là. Mais dégage. Que ce soit lui ou moi, nos deux attaques passaient à ras l'un de l'autre. Les singes sont très dangereux par ici. Voilà, il suffit de réussir mon kéké. Eh merde, doum 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 doum. Perroquet de merde, regardez ma barre de vie. Non, t'as pas intérêt toi. Ah oui, regardez, il y a un compteur de gemmes. Non mais son deck. Regardez les bananes! Regardez les bananes! Elles passent à ras du perroquet! Elles passent à ras du perroquet, lui frôlent les plumes. Tiens, celle-là, tu les esquives aussi? Face de graines. Je suis mort. Je suis mort et enterré. Ah, Bagheera. On a trouvé Bagheera. J'aime bien comment il danse, ce con. Franchement, c'est des petits lives très sympathiques que je vous ferai de temps en temps, ça, pour aller les trucs Disney. Ah ouais, la rivière, avec Balou, bien sûr. On est sur le ventre à Balou? Non. Par contre, les tortues, elles tombent.
Oh mon dieu. La tête qui faisait Mowgli. La tête qui faisait sans déconner. Regardez, je vais essayer de voir si on peut faire pause. Ah merde, on peut pas faire pause. Vous voyez, il avait une tête un peu... Je me suis pris une poutrelle. Ah, c'est très drôle, franchement, c'est très drôle. Cette version-là est vraiment sympathique. Celle-là est cool, hein, attention, hein, mais cette version-là est vraiment fun. Ah, par contre, celle-là, les sauts, ils sont juste insane. Ça m'a trop fait rire, en fait, la hauteur des sauts. Mowgli, en fait, il a des ressorts dans les pieds. Ah, bordel, c'est trop drôle. Bon, moi, les amis, c'est ici que je vais vous laisser pour ce live sur Disney Classic Collection. Donc, Aladdin, Le Roi Lion et Le Livre de la Jungle, des versions NES, Mega Drive, Game Boy Color, enfin, vous voyez tout ça, quoi. Alors, j'espère franchement que ça vous a plu. Parce que moi, franchement, bah, j'adore les jeux rétro, donc voilà, quand je les ai pris. Alors, je vais également m'acheter un petit jeu qui s'appelle Zombies Ate My Neighbors. Voilà, donc c'est ma femme qui m'en a parlé, parce que c'est un petit truc qu'elle connaissait, moi je connaissais pas du tout. Et j'ai découvert, en fait, qu'il est sur PS4. Voilà, donc je vais regarder pour l'obtenir, et voilà, comme ça je vous ferai des petits lives dessus aussi, ça pourrait être sympa. Et, soit dit en passant, ça lui fera plaisir, et quand je lui ferai tester, bah, elle sera contente. Voilà, donc, comment vais-je dire? Moi, franchement, je vous dis, les petits jeux rétro, c'est ma passion, voilà. Le rétro, c'est ma passion. Attention, pas que les jeux, hein, les consoles, les vieilles télés, les vieux vélos, tout ça, c'est... Voilà, c'est juste une passion, le rétro, et c'est pour ça que je voulais vous en faire profiter. Et franchement, c'est une passion, c'est déconné. Je vais. Alors, c'est pour ça que quand je vous parle de néo et rétro, c'est comme ça que j'appelle les nouveaux jeux et les anciens jeux. Et bien, parfois, on me demanderait, tu préfères quoi, les nouveaux, les anciens? Moi, je dirais les nouveaux, bien sûr, je dis, mais on me proposerait de jouer à un ancien, je dirais pas non. Voilà, je dirais pas non du tout, et au contraire, je kifferais beaucoup plus parfois que sur un nouveau jeu. Voilà, c'est... Comment vais-je dire, c'est... Bah, par exemple, vous voyez pour encore jeter la pierre et pour encore taquiner, parce que je suis un chieur de gens, je préfère jouer à ça qu'à Fortnite. Voilà, c'est dit. C'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus stylé, c'est fun. Et en plus, bah, moi, j'adore ces classiques de Disney, donc voilà. Vous savez bien que j'aime bien faire chier. Allez, en attendant, les amis, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Voilà, donc... prochain live, je sais pas encore sur quoi, on verra. Je vais peut-être remettre des anciens jeux, genre Resident Evil et tout ça, c'est... On verra bien. Allez, bonne nuit tout le monde, et à demain, et bah oui, peut-être à demain. Voilà, c'était Kevin Unver sur Disney Classic Collection. À bientôt tout le monde.